Heureusement, aujourd'hui, nous avons Monsieur Ziegler, Jean Ziegler, écrivain, grand défenseur des droits de l'homme, et le ancien rapporteur spécial sur l'alimentation qu'on connaît très bien. Aujourd'hui, Monsieur Ziegler est avec nous et il voudrait parler sur le Conseil consultatif des droits de l'homme, qu'il est membre depuis longtemps, et va nous expliquer quel est le rôle de ce conseil et comment cette comité et comment le comité nous a aidés dans notre cause. Merci, Monsieur Ziegler. Something very important happened at the 5th of August. For the first time, the High Commissioner, the UN High Commissioner of Human Rights, has denounced the violent, massive human rights violation in Iran in a public statement. And at the same time, the National Council of Resistance, the delegates here in Geneva, have circulated the appeal with the members of the Advisory Committee of the Human Rights Council. The Advisory Committee of the Human Rights Council has its 19 sessions now here in Geneva. And most of the members of the Advisory Committee of the Council of Human Rights have signed this appeal and prepared by the National Council of Resistance, Iranian Resistance. And in this appeal, there are two important points. The committee members support totally the statement of denunciation of the Human Rights High Commissioner, who is a very authoritative and prestigious person, when he denounced in his appeal of the 5th of August the executions which go on, specifically the executions in Iran, arbitrary executions of political prisoners. The Human Rights Advisory Board members who signed the appeal of the Mujahideen support expressively the appeal of the High Commissioner. And secondly, we of the committee denounce and express our preoccupation with the situation in Camp Liberty, because Camp Liberty, where the, I have to say it in a historical way a little bit, There was Ashraf, the Camp Ashraf, which is a refugee camp protected by international law, where men and women of the Iranian resistance resided under protection of international law. Ashraf, the people of Ashraf, accepted voluntarily to move to liberty, under the control of the United Nations. And when they came to liberty, where they are today, there were no conditions of dignified, peaceful, protected living in Camp Liberty, because there were two murderous attacks against Camp Liberty. There is still a permanent danger against the inhabitants of Camp Liberty, who are freedom fighters, who are not terrorists, who are just people who give the example of democratic, peaceful resistance to a terrorist regime in Tehran. And we think, I'm speaking as a member now of the advisory board of the Council of Human Rights, for me and the colleagues who signed the appeals of the Council of National Resistance Council of Iran, we have the obligation, we from the human rights mechanism here in Geneva, we have the obligation to protect liberty, because the international status of refugees entitles these men and women who live peacefully, who are the incarnation of a democratic opposition, not the violent democratic opposition
to a terrorist regime, we have the moral and legal obligation under international law to assure the protection, the permanent protection of the people who live in Camp Liberty, who resist, who are an example to the world, to all free people of the world, by their fight, by their patience, by their determinations. And personally, I want to express my admiration, my very deep admiration and gratitude to the men and women of Liberty, to the resistance fighter who held on in Liberty. On va commencer notre conférence. Aujourd'hui, nous sommes le 13 août 2015. Et aujourd'hui, heureusement, nous avons Madame Prégot avec nous. C'est une grande amie, très chère, qui nous a aidés depuis longtemps sur le sujet des droits de l'homme et amie de Kazem, qui est toujours vivant pour nous. Aujourd'hui, j'aimerais bien commencer aussi avec le nom de Kazem Rajavi. Et on va parler sur la cause que Kazem a perdu sa vie, droit de l'homme en Iran. Et comme vous le savez, la situation, malheureusement, toujours, c'est la même plus grave quelquefois qu'avant. Comme maintenant qu'on parle, on a bien vu le rapport que M. High Commission des droits de l'homme donnait la semaine dernière sur la situation très grave des droits de l'homme en Iran. Et on est, à cause de ça aujourd'hui, on était venu pour le parler avec l'expert de Comité consultatif des droits de l'homme, du Conseil des droits de l'homme, pour expliquer la situation et demander de aussi parler de tous les moyens sur ce sujet, d'expliquer et aider le peuple iranien. Voilà, aujourd'hui on va commencer avec Madame Prégot. Je préfère de parler avec le prénom comme un ami très cher et très proche. Et que pensez-vous sur la situation des droits de l'homme? Quel est votre avis? On sera très content, on vous écoute. Je vous remercie beaucoup, Farideh. C'est un honneur pour moi d'être ici ce matin. Et c'est vrai que je souhaite le bonjour à toutes celles et tous ceux qui vont voir cette vidéo à travers le monde. Et j'aimerais véritablement commencer par, en quelques mots, remettre cette situation dans l'actualité, on va dire, parce que on voit bien que en Europe, en Occident, de façon générale, l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, eh bien, a ouvert des espoirs, mais des espoirs économiques, oui, en fait, pour l'Occident, parce que tout d'un coup, on se trouve avec un marché gigantesque d'au moins 80 millions de personnes, d'Iraniens et d'Iraniennes. Et vous avez sans doute lu dans les journaux de ce pays, comme nous lisons aussi ici, que les dirigeants politiques et économiques se précipitent aujourd'hui en Iran. Et avec la situation économique, on va dire, morose ici, eh bien, pour l'Occident, c'est une aubaine que personne ne veut laisser passer. Et tout d'un coup, la situation est plus tragique encore pour la question des droits de l'homme. On ne dit rien sur les droits de l'homme en Iran. Est-ce le prix à payer pour entrer dans ce nouveau marché que de ne rien dire sur la situation des droits de l'homme en Iran?
Pourtant, si on prend les instances de l'ONU, si on prend par exemple en pleine négociation l'automne dernier, le fait que l'Assemblée générale de l'ONU ait effectivement condamné les violations flagrantes des droits de l'homme par le régime iranien, qu'on ne compte pas et on ne compte plus les condamnations du régime iranien pour ces violations des droits de l'homme, eh bien, aujourd'hui, nous avons une nécessité supplémentaire de faire savoir, de rendre visible et de faire connaître encore mieux ces violations qui risquent parfois d'être recouvertes par l'aspect économique. Et il faut bien savoir que c'est une illusion de penser que l'accord sur le nucléaire conduirait à une amélioration des droits de l'homme en Iran de façon un peu magique. Tous les États le savent et le chef suprême iranien ne s'en est pas caché. Dès que l'accord a été conclu, il a redit que rien ne changerait, en fait. Alors, on peut se poser la question de savoir à quoi joue la communauté internationale. Et on voit qu'il y a là, en fait, des instances onusiennes, par exemple, qui prennent des positions différentes. Si on prend le Conseil de sécurité du 20 juillet, qui entérine l'accord avec l'Iran, qui ouvre la levée des sanctions internationales, eh bien, on voit que ces instances sont en pleine contradiction, car si le Conseil de sécurité dit cela, j'ai parlé de l'Assemblée générale tout à l'heure, eh bien, le Haut-Commissariat des droits de l'homme, lui, intervient par rapport à ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Et, le Haut-Commissaire des droits de l'homme, eh bien, intervient pour que les exécutions cesse en Iran. Il intervient pour dire que l'humanité aujourd'hui cherche à ce que la peine de mort soit éradiquée dans tous les pays. Donc, d'autres choses aussi. La Fédération internationale des droits de l'homme, le 30 juillet, donc peu de temps, 15 jours après la signature de ces accords, dénonçait le fait que des politiciens de haut niveau, comme le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel, la haute représentante de l'Union européenne Federica Mogherini et Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères français, s'étaient rendus en Iran et avaient choisi d'ignorer les droits humains, reniant ainsi tous les principes dont ils se réclament constamment. Le président de la Fédération internationale des droits de l'homme s'insurge contre le fait qu'on puisse oublier que l'Iran est le second pays du monde où le nombre des exécutions explose. L'an dernier, l'Iran a battu ses propres records d'exécution depuis 1989. Cette année, jusqu'au 15 juillet, Amnesty International nous dit que 700 exécutions ont eu lieu. Mais, enfin, non pas mais, ce qui est extrêmement grave, ce sont ces exécutions, et ce sont les exécutions des mineurs. Des adultes et des mineurs. Mais de nombreux mineurs n'échappent pas à la peine de mort. Et on compte au moins 180 mineurs ayant été assassinés par le régime. Et Amnesty International, à la fin juillet, lançait une action urgente pour sauver un jeune de 15 ans, Salar Shadizadi, arrêté en 2007. Pour la mort d'un voisin dont on ne sait pas vraiment s'il est le véritable coupable. Et même le serait-il.
Je rappelle ce que le haut commissaire des droits de l'homme disait tout récemment. L'ONU et chaque humain, homme et femme, doivent s'opposer à la peine de mort, quelle que soit la circonstance. L'objectif est donc l'abolition, comme je le disais. Et toutes ces organisations internationales des droits de l'homme appellent l'Iran à arrêter immédiatement les exécutions. Il faut qu'il y ait de façon urgente au moins un moratoire sur la peine de mort. Mais on pourrait continuer de donner une liste effroyable des mutilations que subissent des milliers d'Iraniens et d'Iraniennes en guise de condamnation. Ces mutilations, au niveau international, sont considérées comme des violations des lois et des conventions internationales, lesquelles interdisent la torture et les mauvais traitements. À ma connaissance, l'Iran, d'ailleurs, n'a pas signé la Convention contre la torture. Mais malgré tout cela, la population iranienne est courageuse. Malgré la répression, des femmes se rassemblent contre la peine de mort. Le 23 juillet, devant le Parlement, avec une dignité exemplaire, elles qui ont toutes des condamnés à mort dans leur famille se sont présentées avec des pancartes disant simplement « Pourquoi des exécutions ?» Le courage des prisonniers politiques, de leurs avocats, au moins une vingtaine d'entre eux ont été poursuivis et emprisonnés pour avoir défendu des prisonniers politiques, des journalistes, des défenseurs et défenseuses des droits de l'homme. Et les femmes iraniennes, payent un très lourd tribut à cette répression. Elles sont poursuivies pour ce qu'elles commettent, ce qu'elles ne commettent pas. Elles sont constamment en ligne de mire d'un pouvoir moyenâgeux. Et je n'aimerais pas oublier les courageux réfugiés du camp Liberty qui sont toujours en sursis et que nous ne devons pas oublier. C'est ce que l'Irak et l'Iran voudraient. La question qu'on peut se poser aussi, c'est devant cette situation dramatique, et je parle aussi à des personnes qui la vivent quotidiennement et dont je veux saluer le courage, dont je veux saluer la force et auxquelles j'aimerais dire qu'en fait, si nous pouvons de quelque manière les aider dans leur combat, nous savons bien que c'est eux qui sont en première ligne. Et j'aimerais leur dire à la fois toute ma solidarité et toute mon admiration. Madame Préco, il y a une chose, je pense que c'est exceptionnel, malheureusement, dans le sens négatif, c'est qu'en Iran, il y a l'exécution publique. Oui. Le chiffre de l'année dernière sur l'exécution publique, que tout était annoncé dans le journal iranien, comme on voit sur cette page que le Conseil national de la résistance iranienne va bien le publier, c'est 125 personnes. Ça veut dire que les gens sortent à la maison et en voyant les gens pendus dans la rue. Ça, c'est une violation des droits de l'homme. C'est
c'est un modèle torture des gens. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur ce cas que vraiment ça n'existe pas déjà dans l'autre pays? Deuxièmement, comment le régime iranien essayait de créer leur pression sur les gens, créer une situation que les gens n'osaient pas de protester quand ils viennent le voir, les gens pendus? Parce que ce n'est pas par hasard que le régime iranien a utilisé cette méthode. Mais vous avez tout à fait raison. Et cela veut dire que le régime iranien développe maintenant depuis de nombreuses années une politique de la peur. Oui. C'est véritablement, comment dire, voir effectivement les personnes pendues dans la rue et ne pas même pouvoir vous en indigner, ne pas pouvoir aller demander juste comme ces femmes qui le font dans qui ne débordent pas ce qu'elles peuvent faire, et parfois c'est encore trop, mais véritablement cette façon de fonctionner, eh bien, est un outil politique répressif envers toute la population. C'est vraiment faire taire la population iranienne. Et ce qui est extraordinaire, c'est que en lisant quand même ces drames vécus quotidiennement par la population iranienne, on se rend compte que le pouvoir, malgré tout, malgré cette mise en visibilité de ces exécutions, n'arrive pas à faire taire complètement ce peuple iranien. Exactement. Et l'autre sujet que aujourd'hui j'aimerais bien parler sur ça, c'est la situation des enfants en Iran. Les jeunes, vous savez que l'Iran, c'est la seule convention que depuis 30 ans, ils sont signés, c'est la convention des enfants, tu dirais. Mais en même temps, ils ont exécuté le mineur, comme vous le savez. De l'autre côté, c'est la jeune fille, les très très fillettes, qui en Iran, ils sont légales de marier. Et la loi que l'année dernière passée par le gouvernement misogyne et mollah, c'est qu'avoir possibilité de marier avec les enfants qu'on a adoptés. C'est incroyable. Cette loi inhumaine, c'est le seul mot qu'on peut le dire. En même temps, on ne trouve pas le mot pour expliquer comment le régime iranien choisir et utiliser la méthode inhumaine. Que pensez-vous? Une première chose, par rapport au fait que le régime iranien ait signé la Convention des droits de l'enfant. On sait bien que cette convention est fortement violée, et en Iran, vraiment spécialement. Alors, je répondrai à votre question un peu plus tard encore, mais j'aimerais quand même dire que j'aurais très envie que dans ce lieu où nous nous trouvons, au Comité des droits de l'homme aussi, eh bien, on trouve de nouvelles méthodes pour justement condamner les pays qui violent les conventions qu'ils ont signées. Et je dirais que ça devrait être une évidence que les mécanismes spéciaux, qui sont des mécanismes lents souvent, nous devrions absolument avoir des mécanismes
qui soit beaucoup plus rapide. Exactement. Parce que ces enfants qui souffrent, c'est aujourd'hui qu'il faut les sauver. Oui. Et ça, c'est par rapport à la maison dans laquelle nous sommes. Je pense qu'il y a, ici, il y a des méthodes différentes à trouver, plus efficaces. Maintenant, eh bien, il est évident que cela voudrait dire, en quelque sorte, que l'état d'enfant n'existe pas. On dit que l'enfant est une personne et l'enfant a des droits. Et en fait, ces violations des droits, qu'il s'agisse des jeunes filles qui sont mariées, qu'il s'agisse des exécutions des mineurs, qu'il s'agisse de toutes les questions que vous soulevez, eh bien, tout cela est absolument contraire aux droits de ces enfants. La chose qui s'est modifiée avec la Convention des droits de l'enfant, qui a été, je crois que c'était 1979, il me semble, eh bien, cela a été que l'enfant avait des droits qui lui étaient propres. Il n'avait pas qu'il avait des droits qui lui étaient propres. Il n'a pas des droits parce que ses parents veulent lui donner des droits. Il n'a pas des droits parce que l'État voudrait lui donner des droits. Il a des droits parce qu'il est un être, une personne, qui en tant que tel doit jouir de ses droits. Et donc, c'est avoir une considération de l'enfant et une idée de l'enfant tout à fait différente. L'enfant n'est pas une chose que vous allez marier quand vous le désirez, etc. L'enfant doit être respecté dans les droits qui sont les siens. Et véritablement, je pense qu'aujourd'hui, l'Iran, par rapport aux droits de l'enfant, puisque nous en parlons, eh bien, est dans une contradiction complète avec cette Convention des droits de l'enfant qu'elle a signée. Et non pas seulement avec cette convention, mais avec l'idée qu'elle a de ses propres enfants. Quelle idée peut-on avoir de ses propres enfants pour les marier, pour les jeunes filles, enfin les fillettes soient mariées, et que pour que les mineurs soient exécutés. De toute façon, la peine de mort ne doit plus exister. Oui. Mais que des mineurs aujourd'hui soient exécutés, c'est véritablement se dire, mais le gouvernement, le régime iranien, quelle idée aujourd'hui il a de sa jeunesse? Et là, je répondrai très négativement. Et nous sommes au mois d'août. Le mois prochain commencera le Conseil des droits de l'homme. Il y a les gens qui nous regardent, je pense, en pensant comment pour nous aider. Et je pense que vous travaillez depuis longtemps aux Nations Unies, vous le connaissez bien, que chaque personne peut nous aider en écrivant de son gouvernement, de parler de cette violation des droits de l'homme au Conseil des droits de l'homme. Tout à fait. Parce que je pense que c'est vraiment important que chaque individu expliquer ça, demander à ce gouvernement, parce qu'il y a la section des droits de l'homme dans chaque ministre des Affaires étrangères. Et eux sont aussi, à mon avis, engagés sur les droits de l'homme. Et vous pouvez nous expliquer sur plusieurs méthodes que les gens connaissent, maintenant ils sont en train de regarder nous-mêmes. Comment peut nous aider? Alors, si vous voulez, je ne sais pas comment ça s'est passé avec toutes les violations en Iran jusqu'à présent,
Malheureusement, j'ai pas le mail simplement où on peut envoyer les choses ou un ou deux éléments, mais on pourrait le faire, ça serait important. Toutes les personnes qui ont subi ou quelqu'un dans leur famille a subi des violations des droits de l'homme, que ça soit des violations au sujet des enfants, des exécutions, au sujet des condamnations aux amputations, qui sont tellement nombreuses en Iran, eh bien, il faudrait que, pour cela, les personnes aient le courage, oui, de se dire, il y a un lieu ou une adresse. Je comprends bien votre idée du ministère des Affaires étrangères, mais en l'état actuel, je ne lui fais pas confiance. Mais peut-être, oui, que je me trompe. Je comprends votre idée, mais... C'est pourquoi... C'est difficile, mais il faut qu'on fasse. Vous on avez peut, raison. On peut l'envoyer ici directement. Oui. En mettant son nom, son adresse, ou en travaillant avec quelqu'un chez vous, par exemple, qui peut avoir ses noms et ses adresses et qui peuvent rester anonymes si on a trop peur, justement, oui, qu'il y ait une répression qui s'engage. Et mettre tel jour, mon fils a été pendu. Ou tel jour, eh bien, notre fille a été mariée, notre fillette a été mariée, tel jour, etc. Ou encore, tel jour, dans telle circonstance, eh bien, cette femme a été violée. Oui. Et cela pourrait arriver ici, à un lieu central, où les personnes ensuite vont voir ce qui touche la Convention des droits de l'enfant et vont donner cela au comité qui s'occupe des droits de l'enfant et au comité pour... le droit des femmes, oui, et qui vont pouvoir véritablement... Moi, je dirais, mais je suis ici à Genève, mais je dirais que, connaissant un peu le courage, la dignité de ces hommes et de ces femmes iraniennes, je leur dirais, si dans cette maison à Genève, on recevait des centaines, des milliers de plaintes sur ce que vous subissez chaque jour, eh bien, dans cette maison, on serait obligé de rendre plus visible, d'interpeller peut-être encore plus fortement le gouvernement, le régime iranien sur ces violations. Je pense que là, il y a cette utilisation des mécanismes qui sont ici, dont je vous disais tout à l'heure qu'il faut que nous, ici, nous luttions aussi pour qu'ils soient encore plus efficaces et plus rapides. Mais c'est avec le nombre, on le connaît, mais quand on a un nombre, si vous voulez, il est un peu abstrait. Oui. Tandis que si chaque personne qui a vécu cela, oui, eh bien, fait ce geste, je pense que à la fois cela donne une force encore plus grande aux personnes qui le vivent, un espoir que je ne voudrais pas qu'il soit déçu, mais le nombre, d'une certaine manière, va obliger
des instances de bouger. Merci beaucoup de votre temps. Je sais que vous êtes très occupé, plein de travail. Et merci vraiment pour aujourd'hui participer dans cette réunion. Et on espère le, pendant le Conseil des droits de l'homme, on va continuer. Oui, et alors, moi j'aimerais remercier chacun, vraiment vous dire que dans, vraiment, il faut que nous trouvions les moyens oui. de pouvoir tisser des fils pour que nous puissions ici être encore plus forts pour faire part de ce que vous vivez là-bas. Et je vous dis encore toute mon admiration et toute ma solidarité. Merci Madame Perego, merci Monsieur Ziegler de participation à cette réunion. Et on espère qu'on va continuer notre travail le mois de septembre pendant le Conseil des droits de l'homme. Au revoir.